Donc, je m'appelle Louis Coulet et mon domaine, c'est le domaine de Brunet aux causes de la selle. 1973. Donc, ça s'appelle Masse Brunet parce que à la base, c'était masse de peyre brune en patois. Et peyre, donc c'est les pierres, et brune parce que ici, la terre est vraiment ocre, marron. Donc, masse de peyre brune. Et quand ils ont voulu le déposer, c'était à mon grand-père à l'époque, ils se sont rendus compte que c'était déjà déposé. Du coup, ils ont modifié un peu le nom, il s'est appelé Masse Brunet. Donc voilà, on est vigneron indépendant depuis 5 générations. On exploite une trentaine d'hectares actuellement en conversion biologique. Et donc, comme je vous dis, le premier millésime, ça a été 1973. Avant cette date, mon arrière-grand-père et mes ancêtres cultivaient déjà la vigne, mais c'était plus de la polyculture. Donc, ils avaient un peu de vigne, des moutons, il y avait magnanerie, donc ils faisaient sécher des cocons de verre à soie. Mais voilà, après c'est vraiment en 1973 que mon grand-père et son frère ont pris la décision de ne s'orienter que dans la vigne. Donc là, au niveau de l'AOC, on est en AOC Terrasse du Larzac. On a aussi des anciennes vignes que mon grand-père et son frère avaient plantées. Donc à l'époque, ils misaient sur des cépages un peu plus connus, des cépages bordelais en gros. Donc Merlot Cabernet, et donc ça, pour le valoriser, on passe à travers l'IGP Saint-Guinguet. Parce que, depuis tout petit, je suis là-dedans. J'accompagnais mon père déjà sur le tracteur quand j'étais petit, voilà, ça m'a toujours intéressé. Pourquoi vigneron? Je trouvais que c'était vraiment le bon compromis. Ça aurait été pour faire viticulteur, je m'y serais pas vu, faire que de la vigne, ça m'intéressait pas. Là, dans le métier de vigneron, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le travail dehors, il y a la partie commerciale, il y a le relationnel avec les clients, il y a la partie œnotouristique aussi que j'essaie un peu de développer. J'ai fait des études dans le tourisme, donc tout ça, ça m'a vraiment permis de... À travers le métier de vigneron, ça me permet de toucher un petit peu à tout, et c'est ce que j'aime en termes de diversité. Donc la cuvée que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est la cuvée Élégance. Donc on est sur le millésime 2018, en AOC Terrasse du Larzac. Au niveau de l'assemblage, on est sur 70% de Mourvèdre, 15 Syrah, 15 Grenache. Et elle est élevée 18 mois en fût de chêne. Cette cuvée a été créée donc à partir du millésime 2013. On a voulu vraiment montrer qu'on pouvait faire une cuvée à dominante de Mourvèdre, même si on dit que le Mourvèdre, pour qu'il soit bon, il faut qu'il voie la mer. On a voulu pouvoir prouver le contraire. Donc à travers des très petits rendements. Donc, on laisse que 3 grappes par souche, ce qui permet vraiment, bien que ce soit un cépage tardif, de pouvoir le pousser jusqu'à maturité. En bouche, c'est un vin complexe, soyeux, envoûtant et très aromatique. Il y a des arômes de cerise, réglisse, cacao, un peu toasté, voilà tout ce qui est amené aussi par l'élevage en barrique.